Bokertov, les Poulains. Bokertov, Bokertov. Hachem. On n'est pas très nombreux, mais c'est pas grave, Hachem. On va essayer de faire un petit cours ce matin. J'ai décidé de me focaliser sur le Bitachon et la Ishtadlout. Donc en français, donc la confiance qu'on va avoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, Bezat Hachem, et l'Ishtadlout, c'est quoi les efforts qu'on doit faire. On va essayer de voir, Bezat Hachem, ensemble, à travers la parasha de la semaine, donc la parasha de Vayeshev. On aura donc Yosef notamment. Qu'est-ce que c'est que l'Ishtadlout? Quand est-ce qu'on doit faire l'Ishtadlout et quand est-ce qu'on doit, Bezat Hachem, avoir le Bitachon Hachem, c'est-à-dire la confiance entière vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et je pense qu'on va voir qu'en réalité on se trompe, comme s'est trompé lui-même Yosef. On se trompe que Yosef, il a voulu faire, on va le rendre dans les mots, mais juste très en préambule. On voit que quand il s'est retrouvé en prison, il a voulu mettre le bitachon, enfin il a mis sa confiance en un Égyptien, d'accord, qui est très connu, d'accord, qu'on a vu et revu 10 fois. On revient sur ce sujet-là parce que Bémet, c'est ce Yosef qui était dans le Kélé, c'est nous tous les jours. Et des fois, malheureusement, on se trompe d'adresse. Et je pense que c'est toujours bon de se réveiller par rapport à ça. Donc déjà, si on doit faire un lien entre la parasha de la semaine, le sujet que j'ai choisi et Hanouka qui est bientôt arrivé, on ne va pas parler de la Chouad, le Rav il en fait tous les matins, Baruch Hashem, donc sur ça je pense que vous êtes sevrés, donc vous ferez, on continuera quand avec le Rav des demain, Bezat Hashem. Donc quand on regarde ici le Nosar de Hanouka, d'accord, qu'on dit donc dans la Mida, qu'on dit aussi dans la, comment on appelle ça, qu'on dit dans Birkat Amazon, oui, qu'est-ce qu'on nous dit, hein? On n'entend pas? Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit là-bas, si vous regardez bien, c'est très très important, écoutez bien ce qui est dit. Mais même à Ben Kohen Gadol, Hashmonai ou Banav, Shamda Malchut Yavan Racha à la Mecha Israël, le Shakecham Toratar ou la Vira Mechokir et Sonar. Donc en gros, c'est quoi la grande guerre qu'il va y avoir? C'est la guerre, en vérité, une guerre spirituelle au départ, d'accord, entre les Yavanim qui ont leur mode de pensée, d'accord. Ils ont une certaine forme de spiritualité, d'accord, mais donc avec des dieux, ils auront des dieux, d'accord, qui vont créer le dieu du vent, les dieux du soleil, de la guerre, des déesses aussi, d'accord. Donc ils ont une notion, on va dire, de certaine spiritualité, d'accord, mais qui vont vouloir écraser celle d'Israël. Et toi, quand je vous dans ta grande rachmanout, en gros, tu as fait Mida Keneged Mida. Ce qu'ils ont voulu nous faire, ils ont voulu se venger de nous. Tu nous as vengés, ils ont voulu nous écraser, tu les as écrasés, etc. Ça, c'est le préambule. Mais là où ça m'intéresse, c'est maintenant. Écoutez bien. Masarta Giborim Meyad Khalashim. Tu as donné des forts dans les mains des faibles. Donc là, on parle de quoi? De physique. Les forts, d'accord, les Spartiates, d'accord, on pense à les Hercules, là, d'accord, des Giborim, face enfin, à des quoi, des petits juifs qui savent même pas se battre, qui savent même pas tenir une épée dans la main. Miat Khalashim. Verabim, Miat Ma'atim. Des gens, un peuple extrêmement nombreux, beaucoup de guerriers. Il faut savoir qu'à l'époque, d'accord, la Grèce antique, d'accord, avait tellement gagné des terres que dans ses rangs, elle n'avait pas que des Grecs. Elle avait des Grecs, elle avait aussi des Noirs, elle avait aussi des Métèques. Elle avait dans toutes les contrées où elle allait, elle récupérait des hommes pour en faire des soldats. Orshaim. Beat Sadikim, Utmeim, Beat Teorim, Vezedi, Beat Sketoratecha. Et là, on switch. Au début, de quoi est-ce qu'on parle? Giborim, donc des forts, donc c'est physique, contre des faibles. Beaucoup, des gens nombreux, face à un petit peu, un petit nombre. Donc là, on voit que, donc au niveau de la Teva, au niveau de la nature des choses, on est anti-nature, d'accord? Des gens très puissants, très forts, qui sont aguerris à la guerre, ont perdu face à des gens qui sont faibles physiquement et qui ne savent même pas ce que ça veut dire le mot guerre. Et on voit qu'ils sont extrêmement nombreux face à une poignée d'hommes. Et on voit que là aussi, au niveau de la terre, au niveau de la nature, on est contre nature. Mais on voit que tout de suite derrière, c'est pas que ça. Et on suit tout de suite derrière sur quoi? Urshaim, Beat Tzadikim. Les Rechaim, les mécréants, face aux justes, Tzadikim. Et ça ne suffit pas. Tmeim, Beat Teorim. C'est quoi? Les gens qui sont tamés face à des gens qui sont taor. Vezedim, Yad Oske Toratecha. Et ceux qui sont Zedim, c'est quoi Zedim? C'est qui vont se faire que les plaisirs de ce monde-là, face à ceux qui vont suivre les préceptes de la Torah. Donc si on regarde bien quand on dit à l'Anissi, à la Polkan, on va dire ça tous les jours, Bezat Hashem à Hanouka, on va dire que c'est sur deux niveaux. Il y a un côté d'abord physique, et tout derrière, il y a un côté Rouhani. Et là, c'est le préambule par rapport à ce qu'on va voir par rapport au Bitachon, Bezat Hashem et à l'Eshtadout. Quand est-ce qu'on doit faire l'Eshtadout? Quand est-ce qu'on doit faire des efforts personnels? Et quand est-ce qu'on doit le bitachon? Quand est-ce qu'on doit se mettre dans les mains d'Akadosh Baruch Hu? C'est le lien qu'on va faire, Bezat Hashem, avec ça. Une chose qu'on peut dire, ce matin j'ai réfléchi à la tfila d'un Khatam Sofer qui m'est revenu pendant la tfila. Vous savez, tous les matins,
À la fin de l'Amida, en tout cas pour les hommes, c'est important que même s'il y a des femmes qui nous écoutent, d'écouter ça. À la fin, donc quand on dit qu'avait l'Hachem, Chazak Vemas, d'accord, qu'est-ce qu'on dit là-bas? En Kelokenu, Mi Kelokenu, Nodel Eloenu, et Baruch Eloenu, d'accord? D'accord? Et si on regarde bien, c'est très bizarre. Comment c'était fait? D'abord, c'est En Kelokenu, En Kadenu, En Kemakenu, En Kemoshenu. Je traduis, il n'y a pas, comme notre Dieu, il n'y a pas comme notre Maître, il n'y a pas comme notre Roi, il n'y a pas comme notre Sauveur. Ensuite, le deuxième niveau qui vient juste après, c'est quoi? Mi Kelokenu. Qui est notre Dieu? Qui est notre Maître? Qui est notre Roi? Qui est notre Sauveur? Ensuite, c'est quoi le troisième niveau? Nodé l'Eloénu. On va remercier, on va reconnaître, et remercier et reconnaître en même temps, notre Dieu, notre Maître, notre Roi, notre Sauveur. Et enfin seulement, alors il est digne. Baruch Eloénu, Baruch Evechoulé. Le Khatam Sauveur, il dit, mais c'est à l'envers. Normalement, tu dis pas, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Et après, tu dis, mais c'est qui ce Dieu? Ah non, et si tu dis il n'y a pas d'autre Dieu que toi, c'est que tu es censé le connaître. Et ensuite, seulement après, tu viens le reconnaître et même le remercier. Et seulement après, tu es mévrère, quoi. D'abord, tu vas voir comment ça se passe avant de remercier Kadosh Baruch Hu. Mais c'est exactement ça qu'on doit. C'est exactement comme ça qu'on doit célébrer Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? D'abord, sache une chose, c'est dans ce monde-là, il y a toujours un maître d'œuvre. Maintenant, tu ne sais pas qui c'est. Je parle pour nous, qui croyons être dans la Torah, malheureusement, on est encore très très loin, parce qu'on manque de bitachon et qu'il y a moins de trucs qui se passent. Malheureusement, on perd pied. Sache une chose, la Bitaron commence par ça déjà. En Kelokenu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que mon Dieu. En Elohenu. En Kadonu. Il n'y a pas d'autre maître que mon maître. D'accord? Maître du monde. Adon Olam. Asher Malach qu'on chante. D'accord? En Makenu. Melech Malchei Amelachim. Akadosh Baruch Hu. C'est aussi une chanson. Melech Malchei Amelachim. D'accord? On a des belles chansons. Mais est-ce qu'on le vit ces chansons-là? Est-ce qu'on est conscient de ça? C'est-à-dire qu'il faut dire qu'il n'y en a pas de Dieu, c'est sûr. Je sais, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, il n'y a pas d'autre roi que toi, il n'y a pas d'autre maître que toi, il n'y a pas d'autre sauveur que toi. Personne ne pourra me sauver. Tu le vis ça tous les jours. Quand tu as la banque qui t'appelle et qui te dit tu es dans le minus et qu'il faut que tu y viennes, quand tu commences à trembler. Ou quand tu es ton patron et tu dis mince, purée, on est à 3 jours de la fin du mois et on n'a pas bouclé, j'ai même pas de quoi faire, même pas les salaires. Ton bitachon, il est à fond maintenant là. Là, tu sais qu'il y a il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Une fois que tu as su ça, alors seulement tu peux être capable de dire Mi Kelokenu. Maintenant que tu sais qu'il y a Dieu qui existe, va le chercher. Comme il a fait Avraham Avinu. Comment Avraham Avinu est venu à Avraham Avinu? C'est qui Dieu? C'est le soleil, c'est les ananimes. On l'a vu ça dans le livre de Bereshit. Qui est Dieu? C'est qui ce Dieu-là? C'est qui ce Dieu qui me fait ouvrir mes yeux tous les matins? C'est qui ce Dieu qui fait que je puisse manger et boire et ça va tout seul? C'est qui ce Dieu-là qui fait battre mon cœur sans même que j'y réfléchisse? C'est qui ce Dieu qui fait des miracles tous les jours? Que à côté de nous, il y a 350 millions de chayot, de bêtes sauvages qui sont là à vouloir nous écraser. Et qu'un jour, il leur met des massachim, il met des écrans et nous, on croit que c'est normal. Ça, c'est mi. Qui est ce Dieu-là? Viens, on va rechercher Dieu. Mais qui est ce Dieu? C'est Dieu, c'est Elohim? C'est Shem Havaya? C'est Shem Ekié? C'est Shem Kel? C'est quel nom? Quel nom je dois aller chercher? Quel nom? Parce que chaque nom, chaque matzav, chaque situation, elle a son Dieu. Kavirchol a son Dieu. C'est Dieu, il est unique. Mais là, c'est Bechina du Shem Hashem. Quand Jokhou, il met un livouche, quand voilà, aujourd'hui, je me suis mis en gris noir, demain, je serai en blanc et noir, et après, je serai comme mon ami en rose et en truc. Enfin, peut-être pas rose, mais. D'accord? Bon, mais c'est là. Non, Stan, je rigole. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pourquoi tu t'habilles? Tu changes selon ton matzav, tu te sens gai, tu te sens. Joyeux, t'as envie d'aimer des belles couleurs. Tu te sens un peu moins, t'as pas trop, tu te sens pas bien, tu mets un truc noir fermé jusqu'en haut. Ça, ton livouche, ton beged, il te représente quelque part. Et ben c'est ça que c'est. Le beged d'Hachem, c'est quoi? C'est nom Hachem. Et là, il dit Mi Kelokenu. C'est qui? Quel nom je vais donner là? Quel nom d'Hachem je vais donner? Et ça, c'est la recherche. Une fois que je l'ai recherché, alors je vais être capable seulement là. C'est la tribu divin qu'on va donner à travers son nom, exactement. D'accord? Est-ce qu'il est en miséricorde? Est-ce qu'il est en dîne, en rigueur? Est-ce qu'il est maintenant au niveau de la bina, ça veut dire au niveau de la teshuva, il est là pour nous aider à faire teshuva, etc. Il y a des nouveaux, il y a des moments très propices par rapport aux uns et aux autres des attributs. Et seulement alors, Nodel Elokenu, Nodel. Seulement tu peux être capable de dire, je te remercie Hachem pour tout ce que tu me donnes. Celui qui te dit, moi, c'est Dieu est dans mon cœur, je le remercie tous les jours. C'est du pipeau. Tu remercies Hachem tous les jours, tu sais pourquoi? Parce que tu es en bonne santé, parce que tu manques rien, ton frigo quand tu l'ouvres il est plein, et que ta voiture quand tu l'allumes elle démarre au quart de tour, et tu as un travail et tout va bien dans ta vie. Et quand Dieu préserve, il y a quelque chose, il y a un vrai couac dans ta vie, remercier tu ne sais plus le faire. Qu'est-ce que tu veux Dieu chez moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et pourquoi moi? Et pourquoi ça? Oh, il est où ton bitachon? Il y a 2 minutes avant tu disais,
En kelokenu, mikeloenu, ata, ata, Hashem, rakata, kajbuchu, ata, virakata. C'est là. Vis-le ton ata, rakata, toi, rien que toi. Vis-le ça. Il te dit seulement, alors, arrivé à ce moment-là, quand connu, tu sais, tu recherches Hashem, tu sais qui est Hashem, tu cherches la prière de kajbuchu, et seulement maintenant, tu es modé. Alors, au dernier moment, baruch elokenu. Là, tu vas être capable de dire, kajbuchu, il est source de bénédiction. Kajbuchu, le maître, il est source de bénédiction. Mon sauveur, c'est lui, il est baruch, 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 shemo. Là, le baruch, baruch, shemo. D'accord, le béni, comme on dit en français, le béni soit-il. Là seulement tu peux dire Kadosh Baruch Hu, d'accord, un Kamocha Baolam, c'est vadaï, un Kamocha Baolam, c'est vadaï, mais tu le vis ça. Et pour arriver à ça, à dire Baruch Hu Baruch Shemo, donc c'est quoi Baruch Hu Shemo, d'être capable de dire Baruch Ata Hashem, Elokei Melech Olam Shehakol Niro. C'est ce que tu es en train de dire là. Oh, c'est d'ailleurs, t'as jeté des mots, mais tu sais ce que tu es en train de dire. Tu arrives au quatrième niveau sur le Khatam Sofer, ton niveau le plus niveau, le niveau de la Hatzilut, parce que c'est là, on est applicable sur des mondes. Le premier monde, c'est quoi? Tu sais pas qui c'est, le N, moi qui sais, le monde de la Sia, le monde où on est. Le monde du Mi, c'est quoi? Le monde de Yetzira. Le monde des anges, le Nodé, le remerciement, c'est le monde de la Beria, le monde des Neshamot. Et seulement après le Baruch, c'est quoi le monde de Hatzilut, c'est le monde le plus élevé, là où il y a le Kisakavod. Tu sais, quand tu dis Baruch, Ata Hashem, le Kenoma, tu fais une bracha, ou quand tu vois, c'est Massé Brichet, tu as vu un éclair, tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es au niveau de Hatzilut. Tu es capable de comprendre ça? Que quand tu fais une bracha, tu te montres un niveau de Hatzilut. C'est ça qu'on te dit quand on a dit, faites Mikaven, envoie des Kavanot, tu sais quoi? C'est bon d'avoir compris ce que tu dis? Ouais, Pirouch, Aminim, c'est vrai. Ce qu'il dit le Rambam, au moins comprends ce que tu dis. Les Fachot, c'est Vadaï, c'est bien. Mais c'est quoi que c'est que ça? Quand tu es capable de dire Baruch Ata Hashem, c'est que tu comprends que tu es passé par le niveau de N, de Mi, de Nodé, et seulement maintenant tu peux dire Baruch. On le vit ça tous les jours, nous. On le vit pas. Et c'est pour ça que dès qu'il y a un enfin, de quoi, je parle pour moi. C'est pour ça que dès qu'il y a un couac, dès qu'il y a un truc, une tuile qui nous tombe sur le coin de la figure, on baisse tout l'air. On baisse les bras. Ah, qu'est-ce qu'il veut Hashem? Alors quand c'est un tout petit truc, on est tombé, hop, on s'est relevé. Ça va, c'est là, ça arrive. Mais quand ça dure longtemps, et tu cherches. Et le boulot ça vient pas, et t'as pas ça, chaque mois c'est la galère, et tu te batailles, 10 ans en Israël, t'as l'impression que t'as fait ta alia hier, des gens qui ont fait leur alia il y a 6 mois, ils ont un meilleur matzav que toi qui est là depuis 15 ans. Je dis mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? T'es capable d'être l'étoile avec ça, d'être capable de te renforcer par ça. C'est exactement tous les liens qu'on va essayer de voir avec Bezat Hashem ensemble. Donc ça c'était un peu le préambule sur lequel je voulais qu'on développe. Il y a 3-4 histoires ici qu'on va ramener, mais d'ailleurs, si on a le temps, on en les fera, si on n'a pas le temps, vous me direz, vous me coupez au fur et à mesure. Ah déjà, hein, là-bas, quand on parle de Yosef, vous savez très bien, il a utilisé deux mots, d'accord, qui im, zrachtani, vimskartani, d'accord. Donc, quand il a été en prison, comme tout le monde connaît l'histoire, d'accord, il était donc avec le maître chanson et le maître peintier, d'accord. Et quand le maître chanson il a été sauvé, il a dit de grâce, rappelle-toi de moi, souviens-toi de moi, et rappelle à Pharaon que je suis là. En gros, si on va dire ça, d'accord. Vezachati et Vezartani, c'est-à-dire un petit peu ça. D'accord. Donc, en tout cas, il a utilisé deux mots. Par rapport à ça, tous les Chachamim nous disent, ça c'est connu, dans le Midrash, d'accord, qu'il a gagné entre guillemets, deux ans supplémentaires de prison. Pourquoi? Parce qu'apparemment, on dit que là-bas, il a manqué de Bitachon. J'ai trouvé un Midrash qui est Pele Plaim, parce que dans la même phrase, il te fait une stira. Une stira, dans le langage familier, c'est une claque. Dans le langage de la Torah, une stira, c'est quelque chose qui va. Toi qui es dans la Gbara, Bochachem Mazatov, pour la. Aussi, ma sœur que tu as fait hier. Une stira, c'est une contradiction. Tu dis quelque chose et quelque chose qui va contredire dans la même phrase. Ça va pas, ça s'appelle une stira. Regardez ce qu'il dit le Midrash. Un mot, rappelez-nous le Midrash. Ashrei Agever, Sam Hashem Miftacho. Heureux soit l'homme qui pose toute sa confiance. D'accord. Le Bitachot, c'est plus grand que la confiance. La Emouna, c'est un niveau de confiance. Le Bitachot, c'est déjà plus élevé. Qui pose sa confiance dans quoi? Dans Hashem. Et immédiatement, le Midrash, de qui est-ce qu'on parle? Zé Yosef. Si on doit te donner. On doit donner une définition de qui c'est le guéver ici qui a donné sa confiance à Hachem, c'est Yosef Hatzadik. Très bien, on accepte, mais pas je dis comme ça. Comme quand on te dit, quand on parle de la bonté, du bon Hachem, de la réussite, enfin du chesed, c'est Avraham. On sait ce qu'est la Saprina, Misrut Nefesh, c'est Yitzhak. On sait, il y a des choses comme ça, très bien qu'on sait. Il y a des que là où c'est incroyable. Ashrei Agever, Asher Sam Be'Hachem Miftacho, c'est Yosef. Velopana el Ravim, parce qu'il ne s'est pas tourné vers les Ravim. Ces Ravim, c'est les gens qui sont Gassim, qui sont vulgaires. Ici, on parle des Mitrim, donc des deux Mitrim. Chayede, Shama, les Saramashkim, Zartani, Vezarkani, Vitasef, Lo, Od, Shte, Shani, Bebet, Asoar. Il dit, heureux soit l'homme qui a donné toute sa confiance à Kadosh Baruch Hu. On parle donc qui? On dit, c'est Yosef. Ce même Yosef qui a demandé au Saramashkim, d'accord, donc au maître des chansons en français, de quoi de se rappeler de lui pour qu'il puisse le sortir de prison. C'est une stira. D'un côté, tu dis qu'il a mis toute sa confiance en Dieu, et dans la même phrase, tu finis dans le Midrash,
tu dis que finalement il a donné sa confiance dans ce pourri de Mustapha là qui va aller voir le pharaon. Mais quel rapport? C'est ce qu'il dit. Il dit vrai midrash trichim biur. Le midrash ici il a besoin d'un éclaircissement. Pourquoi? Shebetrila, il dit où est Yosef qui ba'al bitachon b'Hashem. On le voit qu'il est Mehmet bitachon Hashem. Miken ne'emar ala shepanav el ra'avim. Daïnou chez Samach à la Metzrim, chez les Krim Ravim, ou Mashma chez nos Baal Bitachon. Alors, du coup, choisis. Où il est Baal Bitachon? Où il n'est pas Baal Bitachon? Où il est Baal Bitachon? Parce qu'il a mis sa confiance à Hachem, et ça je comprends, et c'est Yosef Ad Sadik, je le comprends. Ou ce Yosef qui a donné toute sa confiance aux deux autres, il a donné la confiance donc à des hommes, donc il n'est pas Baruch Gever Hachem. On chante aussi. Baruch Gever Hachem. On le chante, ok? Où il a sa confiance? Oula. Nire levaer shebiglal Yosef aya bedarga gvoa bitachon b'Hashem, lachen haita alav kepeda. Il dit non. Si c'était Achar Tzelfati à qui c'est arrivé, l'Alenu, ou un d'entre nous chez le Neda, et que nous on fasse ça, c'est vadai que c'est normal que ça se fasse. Pourquoi? Parce qu'on est des petits gens, qui on est nous pour avoir un bitachon aussi grand que ça, d'avoir la confiance. On a moins de pépins qui se sont dit, on va prendre un avocat, je mets toute ma confiance dans l'avocat, j'espère que tu vas bien me défendre, tu vois, machin. Tu vois, c'est lui ton avocat qui va te défendre. Et nous, on fait ça. Tous les jours, c'est ce qu'on fait. Bon, j'espère que la justice, elle sera clémente. Ou comme elle l'a, tout simplement. Le shooter, son batsad. Tu dis, je t'abâche, j'espère qu'il va être clément avec moi, qu'il va comprendre, il va avoir un petit accent français, peut-être qu'il sera Rahman. Qu'est-ce qu'il y a, le chevalier Rahman? On a tous vécu ça. Si Dieu, je vais faire un grand sourire, je vais. Quel sourire, pas sourire, Habibi. Il va te mettre le dor, il te mettra le dor, il te mettra le PV, il te le mettra le PV. Si c'est pas chez quelqu'un qui a décidé. Et nous, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas un manque de bitachon. Donc, à notre niveau, on fait juste un doute. Le sourire, le machin. Mais c'est ailleurs, j'ai pas fait attention, tu comprends, je viens d'arriver. Madoua pana et el basar vadam chez Azorlo, velo batar bebore olam chez Chenou bebetakele. La question qui est posée, c'est alors, ok, si tu t'appelles Yosef Hatzadik. Autant Yosef Hatzadik, on n'est pas Achar Tzelfati. D'accord? Donc, autant Yosef Hatzadik, on doit se comporter comme Yosef Hatzadik. Pourquoi tu t'es retourné vers cette personne-là? C'est la question qui est posée. Vadvarim. Il dit là-bas dans ce livre-là, le livre s'appelle comme ça, Rav Eved Hashem. Sha'olam savour, shekasher yesh tzara ktana, odaaga ktana. Écoutez bien ça, parce que c'est Bémet, c'est celle-là de là, on parle pour nous ici. Il donne une grande explication. Quand un homme, il a une tzara ktana, il a un petit tzar, une petite réparation dans la voiture, une petite daaga, c'est une petite inquiétude qui est passagère, parce que je sais pas moi, pour X raisons, il a son frigo qui vient de tomber en panne. Bon, des petites chutouillottes qui sont embêtantes. Ça te procure une petite daga comme ça, mais c'est pas non plus très grand. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait tous? Ef Charlie, c'est mort à l'habitat de Bachem. Là, qu'est-ce qu'on fait tous? J'en supplie, fais en sorte que j'arrive, que la réparation soit pas trop élevée. Tu comprends, c'est un peu compliqué en ce moment. Fais en sorte que quand je vais aller chez le garagiste, j'en ai pas pour 6000 shekels. C'est son petit truc, bon, elle est en panne, mais j'espère qu'il y en a pour aller 500-800 shekels maximum, que je m'en sorte bien. Mais qu'est-ce qu'on se met dans les mains d'Hachem? Donc on a une petite daga, quelle qu'elle soit. J'ai pas fait le contrat, on est déjà le 15 du mois. Pas fait le contrat, allez, quand je vous aide-moi, vous êtes j'arrive à signer ce contrat aujourd'hui. J'arrive à signer un ou deux contrats aujourd'hui. Là, bizarrement, on fait tout de suite, on lève les yeux vers Hachem. Et il dit comme ça, aval. Dès qu'on commence, chez l'Oneda, quelqu'un il a la machala, Dieu préserve, qu'est-ce qu'on commence? Et qu'est-ce qu'on commence à faire? Quel est le plus grand professeur que je vais trouver? Quel est le plus grand machin? Ou si quelqu'un il a été viré comme un malpropre au bout de 6 ans de boîte, comme ça m'est arrivé? Quel meilleur des avocats que je vais trouver qui va me sauver? Contre ce pourri là qui m'a fait. Ah, là tu commences, Sarak Dola, tu commences avec Dobi Hachem. Kavirok me dit Rabbi Cohen, quoi, tu crois que je me il n'est pas capable de s'occuper des grandes choses. C'est que je vois qu'il a créé le monde en il a fait en un souffle, même pas une parole, en un souffle, il a créé le monde. Tu crois qu'il n'est pas capable de gérer tes gros problèmes. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait un switch dans notre tête. Quand c'est petit, qu'il y avait que je vois, il s'est occupé des petits trucs. Bon, que je vois, en ce moment, j'ai mal à l'épaule. Je t'abâche, c'est moi. Je t'en supplie. Fais en sorte que je sois mieux. Là, il faut que je prenne un peu la boxe. Ça va pas dire que je prends mon livre. Il faut que je prenne un peu le sport. Tu comprends? Je me sens pas bien là. J'ai besoin. Petite chose que tu sais, lever les yeux au ciel. Pour les petits ch'touillottes, mais quand c'est gros, tout de suite, oublie Hachem. Le meilleur professeur, le meilleur avocat, le meilleur truc. Pourquoi ça? Est-ce qu'il dit le rabbi ici? Yesh la asot, il dit quoi? Aval, yesh tsaragdola, yesh la asot, ishtadlout. Là, on commence à faire ishtadlout. Veille trouver à droite, à gauche, comment je vais m'en sortir? Tata, il faut que je paye de l'ardonnage, j'ai pas de train. Je vais faire un prêt, comme qui peut me prêter? Le chocafour. La banque, qu'est-ce que la banque va prêter? Elle ribite. Je vais avoir des amis. Là, tu fais ishtadlout, tu commences à te bouger. Là, c'est toi qui veut. Je prends les rênes. Je vais m'occuper moi. Il dit bon, c'est moi le guéver. La guéver, Ima.
Maman, t'inquiète pas, je vais m'occuper de ça. Ou bien quand t'es marié, tu vas dire à ta femme, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Je m'occupe de quoi? Là, nous, ce qu'on fait, on veut faire Ishtadlout. Et il dit, écoutez bien ce qu'il dit. Ve'emet yafoucha. Et le emet, c'est totalement la foucha. C'est-à-dire quoi? Les Zman, rappelez-vous la coterette, le titre qu'on a donné. Bitachon v'Ishtadlout. Quand est-ce qu'on doit faire Ishtadlout? Quand est-ce qu'on doit avoir le bitachon d'Hachem? Écoutez bien ce qu'il dit ici, le Rav. Bizman da'agak tana niten ezer ben kocho ateva. Il dit, quand c'est un petit problème, laisse-toi là que je brouille tes petites broutilles. Même si il peut akol yachol, c'est vada akol yachol. Mais toi aussi, tu as ton travail à faire. C'est-à-dire quoi? Tu veux travailler, tu veux de l'argent. Le mec, il reste comme ça, il prend la chalate, la télécommande, les pieds comme ça sur le salon. Et il zappe, il dit, que je brouille, il va pouvoir à ma part ça, c'est un mec comme ça. Tu vas attendre longtemps. Tu vas même rester comme un squelette, comme ça, tu vas finir par crever, la bouche ouverte. Habib, va faire que je t'adoute. Tu veux de l'argent, va travailler. Va au moins taper au port. Va demander à quelqu'un. Vous cherchez quelqu'un, un chipoutim, machin, dans les bureaux. Mais cherche quelque chose. Fais que je t'adoute. Ça, c'est pas des choses. J'ai mal à l'épaule. Tu vois le médecin. T'as mal à la dent. Va voir le dentiste. C'est normal. C'est des choses qui sont TV. Ça, c'est ça qu'on doit faire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait un four. Quand c'est des petits ch'touillottes, on enlève les virachem. Je crois, aide-moi. Il dit non. À ce moment, tu dois, même selon la teva, selon la nature des choses. Mais selon la nature des choses, prends-toi en main. Fais les choses par toi-même. Et que je crois, comment dire, et toi, t'auras, quand tu veux faire Ishtadlout, que je crois, il fera en sorte de t'accompagner dans ta Ishtadlout. C'est pas de problème. Mais commence par faire toi ta Ishtadlout. Ishtadlout, c'est se remettre en question. Non, Ishtadlout, c'est-à-dire, c'est faire des efforts. C'est-à-dire de te prendre toi en main. C'est-à-dire que tu dis, bon, allez, je le prends en main, je vais pas du à et continue comme ça, et qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, yak de là, c'est Khajom, on a quelque chose maintenant, quelque chose qui est très grave. Là, nous, quelqu'un qui a la machala, Dieu nous en préserve, ou qui fasse des choses qui sont terribles. Chez I, en ce moment, Dieu présente, on entend beaucoup de choses. Encore, je viens d'entendre ici à Lyon, là. J'ai oublié son nom, mais c'est Léon Nishmat, il s'appelle, je crois, Dan. Jocelyn Dan, Ben, j'ai oublié son nom. C'est le mari de cousine de ma femme. 50 ans, il est parti comme ça. Tu connais Jocelyn? Tu connais Jocelyn, non? Parti comme ça à 50 ans, à l'arrêt du cœur. Et là, tu comprends la Gemara qui t'a dit, Ayompo, Machar Bakever. Le BMM, tu comprends ça. Notre ami ici, Moshe Ben Yuzi, je pense aussi donc à son frère Jackie. Et que je crois qu'il donnerait foi chez les mains, pareil, il a fait un infarctus comme ça, putain, même pas 60 ans. Mais quel monde on vit dans quel monde? Là, Bémet, là, c'est d'Agagdola, là, lève tes verres HM. Tu crois que le médecin, il va faire quelque chose? Que je vous refaire Kholba sur Mufla, c'est que je vous qui le refait. Chez Yevcha, les autres, là, Bédera Teva. Mais situation de la Teva, c'est pas ça qui va t'aider. Combien de professeurs ils ont cherché, trouvé, ils ne trouvent rien du tout. Tu vas pas. C'est que des chercheurs. Tu vas trouver à un moment donné ce que tu as trouvé. Et tu vois bien qu'ils essayent, tu comprends, on va essayer un traitement, ça marche pas, on va essayer un autre traitement. Ils sont toujours en train d'essayer. Tachlas, qui c'est qui donne la réfoua? C'est Kadosh Baruch Hu, c'est Vadaï. Pas tour chez Adam et mes dégâts. Vahalav, les Ashlir, les Gamre, et Yavo, et Massa, Tsarotav, ve et Dorko, Alachem, et Dora, Chehou, et Stéchou, Minametsa. Et si Bémet, on veut y arriver, alors il faut bien comprendre ça. Que quand c'est quelque chose de Gadol, là tu lèves les yeux à Hachem. Quand c'est quelque chose de Katan, c'est encore entre tes mains, fiche ta lutte. Ça ne veut pas dire qu'Hachem ne va pas t'aider. Ça veut dire qu'Hachem t'aidera toujours. Mais le démarreur, c'est toi. La pierre angulaire, c'est toi. C'est toi qui va te donner l'impact. C'est toi qui va te donner l'impulsion. Tu fais, Hachem, il fera le reste. Vekar, Gamaya, Yosef, Tsarich, Lassot. Et c'est tout ça, c'est le moussard que nous enseigne Yosef Hatzadik. Pourquoi on lui a mis 2 ans en kélé? Écoutez bien ce qu'il a dit. Parce qu'il s'est trompé. Comment il s'est trompé? Shekevan, Shayetzia, Mibet, Akele, Shel, Mitzrim, Aïta, Behaya, Degdola. Être en prison, c'est pas comment je suis en prison, elle est dans la prison. Et malheureusement, je suis bien placé pour le savoir, j'ai ma fille qui est Shabbas. Vous êtes en prison, même aujourd'hui, en Israël, des prisons, on dit que c'est. Mais c'est des prisons dorées aujourd'hui, c'est des hôtels. Y compris pour les Mahshemam, nos terroristes, les Mahshem Zichram. Et ils font la prière, et ils font la. Comment on appelle ça? Ils ont Bikurim, ils peuvent voir leur famille, ils mangent ce qu'ils veulent. Ils font leur propre manger dans leur cellule, ceux qui font eux-mêmes à manger. Ils ont leur sortie, tu crois quoi? Tu crois qu'il y a à l'époque de Yosef Hatzadik, la prison c'était la même chose, surtout pour un ivri dans les prisons de l'époque? C'est sûr que non. C'est sûr qu'il y a des bayak d'ola. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Il était voir qui? Il a voulu faire Shtalou, il a voulu faire par lui-même. Il était voir le maître et chanson, tu peux essayer de parler pour moi? Alors que là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Bayak d'ola, qu'est-ce qu'il fallait faire? On a dit, bayak d'ola, lève les yeux vers Hachem. Toi, qu'elle va revenir, toi qui es Yosef Hatzadik. Pardon? C'est pas un miracle de prier Hachem, c'est une obligation de prier Hachem. T'es dans le shol des shol, t'es entre la vie et la mort, t'es là au milieu de nulle part. Tu sais pas ce qu'il va, tu sais pas ce qu'il va faire. Allez nous, pas aucun de nous. Quelqu'un, Dieu préserve, il se trouve demain dans les prisons de Daesh. Ça s'appelle sauver la naissance ou de prier Hachem? Ça s'appelle sauver sa vie. Tu pries tout. Hein? Très bien qu'il priait, mais
Eh bien, c'est ça l'erreur. C'est de croire que c'était une opportunité qui s'offrait à lui, parce que c'est ça ce qu'il nous dit ici. Écoute bien ce qu'il dit le Midrash. Écoute bien ce qu'il dit. Dans les prisons de Daesh, mais là, il est dans les prisons de la plus grande puissance mondiale, et on l'a oublié complètement, il est complètement oublié depuis 10 ans, il est là-bas. Donc, c'est pas Yekdola. Donc, on revient à ce qu'il dit le Midrash. Donc, comme il dit ici, comme il dit le Rav Eved Hashem ici, dans son livre, il dit que quoi? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? C'est Vadaï, première chose qu'il aurait dû faire, c'est prier Hashem de tout son être. Regarde. Venons faire. Hein? Elle est mort à la naissance. Parce que, attends, regarde, attends, laissez-moi finir. J'arrive. À mon avis, donc, il y a un morceau qui n'est pas entendu, c'est quand tu as dit tout à l'heure que ça correspond qu'à Yosef. Pour le commun des mortels, il faut qu'il fasse Hazak ou Baruch. Ça, on l'a dit. Il était macpide, que je pourrais être macpide parce qu'il sait. Mais même sur ça, j'ai une réponse. Et il va donner la réponse parce que vous êtes un peu trop pressé, mais c'est bien. Écoute bien ce qu'il va dire. Parce que ce que vous dites, ils ont raison. C'est juste ce que vous dites. Athée sont à la naissance. À un moment donné. J'ai prié, à un moment donné, j'ai une opportunité, je l'ai saisi. La falaise dit, mon Dieu, on est d'accord. Alors regarde. Écoute bien, votre question, elle a sa place et elle a la réponse tout de suite. Écoutez bien. Mêlé. L'autre azorolo l'eshtadout al rag bitachon b'ashem barach. Ou biglal shelo ishlir et Hashem et yavo nenash. Et pourquoi il était puni? Le Midrash nous dit, il était puni parce qu'il aurait dû se mettre 100% à Kadosh Baruch Hu. Votre question, elle reste encore vraie. Alors, écoutez bien maintenant la suite. Ou benosaf lekar. Et ça va répondre à nos questions. Nous c'est fou, nous, od shnataim bakele. On lui a rajouté 2 ans de prison. Déjà, tu lui réponds pas. Et en plus, tu lui rajoutes encore plus. Il aurait dû sortir et tu lui rajoutes encore au lieu de sortir. Et pourquoi? Pourquoi ce nénage? Pourquoi c'est cette soirée là? Biglal, shi iskir pa'amaim srira. Il dit parce que les shtalut qu'il aurait dû faire, t'es bitachon d'Hachem. Demande une fois, ça suffit. Pourquoi tu dis 2 fois? Je t'en supplie. Hé, Habibi, t'as dit une fois, ça suffit. L'Eishtalut, c'est quoi? Mais c'est même pour nous. Tu vas pas sortir à la NES, je suis d'accord avec vous. C'est ce qu'il dit, c'est le Midrash. Juste, il fallait qu'on attende un petit peu. Mais pourquoi tu demandes 2 fois? T'es en train de t'en dire. Kiavichot, t'es en train de te mettre à 4 pas devant ce goy-là. Qu'est-ce qu'il y avait? Et la preuve que quoi? Il en a carrément oublié. Attends, une seconde. Je vais perdre le fil, une seconde. Après, je vais à toi. Il va en apparaître. Qu'est-ce qu'il lui dit? Biglashi, Skir, Pa'am, Im, Zechira. Parce que 2 fois, il a demandé qui? Im, Zachartani. Sicha, Sheim, Zachartani Ken, Vechule, Veiskartani, 2 fois il y a le mot. Ou l'arzor, ou l'vakesh pa'amaim, Ibn Temuta, Ze yoter, Mishtadlut, Veasur. Il dit, ça s'appelle plus l'Eshtadlut, ça s'appelle Kigar du Temi. Et qui c'était qui avait payé aussi sur ça? On a dit, c'est Yaakov. Que tu te, 7 fois, tu te prosternes devant ce rachat là. Tu lui donnes du kavod, c'est ton grand frère, Seder. Tu n'as pas de kavod, t'as un peu peur, tu veux calmer les. Ben Seder. Pourquoi 7 fois? Tous les midrashim, pourquoi 7 fois? Et sur ça, on a des choses qu'on va payer, on le sait très bien. Il en a parlé de Rav, je peux revenir là-dessus, il en a parlé toute la semaine dernière. On voit que c'est quoi? C'est pas l'Ishtalut, c'est Vada qui est dans l'affaire. Mais c'est sur quoi qu'il nous parle ici? Quelle l'Union? Tu ne vas pas t'allonger par terre. On doit Ishtalut, on doit parler aux Américains. Ok, on a besoin d'armement lourd, etc. Ok, va pas te mettre à 4 pattes devant ces machins, devant Trump ou compagnie pour trouver bonne figure. Va pas te mettre à 4 pattes, ne va pas jeter. Comment on dit en ce moment, il y a le mot à la mode en ce moment, c'est Adata. C'est Adata, c'est la judaïsation. La Médina d'Israël, elle est anti-Adata. Elle veut enlever tout ce qui est judaïque. C'est la nouvelle mode. Le Rav Renan, en ce moment, il se bat avec ça. Il fait un grand travail. Je ne sais pas si vous connaissez le Rav Renan, comment il s'appelle Riminov. Même René Riminov. Il fait un grand travail. On enlève la data, c'est-à-dire quoi? On enlève tout ce qui est juif. Mais qu'est-ce qui est honteux d'être juif? C'est pas bien d'embrasser la main de son père. C'est pas bien de faire un chidour pour trouver sa femme dans un lieu kadosh plutôt de la trouver en boîte de nuit. C'est pas mieux d'apprendre à ton fils d'aller dans une école où les filles et les hommes sont séparés. C'est pas mieux monter dans un bus où les hommes sont devant, les femmes sont derrière. Non pas parce qu'on est des sauvages, mais quand cette même femme qui a crié haut et fort devant les caméras, c'est une honte, c'est machin, et ils n'ont pas voulu monter, mais c'est cette même femme-là qui un jour va monter dans un bus, mais le mec à côté il va lui mettre la main sur la cuisse et qui va crier « Ah !» Et là on a voulu me violer. Mais Habib, c'est ça qu'on te dit, on n'est pas comme les autres peuples. C'est ça qu'on te dit, mais ça le judaïsme, c'est, on a des lois juives. Et aujourd'hui, c'est marché même de grecs. Aujourd'hui, ils ont pénétré au plus profond d'entre nous. Ils ont hellénisé même Eretz Israël. Ils sont là et aujourd'hui, c'est eux qui ont la marge. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est plus des ch'tout qu'on fait. C'est la ch'tahavaya, on s'annule, on se met à plat ventre devant les nations du monde. On espère leur Tu comprends, faut qu'on soit l'armée la plus moussarie. Mais quel moussarie y a à avoir quand t'as Ahmad qui est là avec une kalachnikov ou une bombe avec devant toi? Mais tu le tues, tu l'écrases, tu fais aller-retour 10 fois. Quel rachmanout avec des sauvages? Quel rachmanout?
C'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans Pirkei Avot. Celui qui est Merachem avec les rachats, il sera Arzari avec les Tzadikim. On le voit aujourd'hui. On crache sur des religieux, on ne les met plus bactères, même s'il y en a certains qui sont bon, j'ai déjà parlé là-dessus, je peux revenir là-dessus. S'il y en a qui ne sont pas que le KBCDR. D'accord. C'est vrai qu'il y a des religieux qui ne se comportent pas comme des religieux. Pour moi, ils ne sont même pas religieux, Bichlal. Mais comme il dit le Rav Renen, même sans manquer de respect au Makom, mais même dans un Makom Kadosh comme le nôtre, il y a des toilettes. C'est dans les endroits les plus des Kadosh, tu auras toujours quelqu'un qui a une toilette. El Malasot, il n'y aura pas que toilette. Quand tu dis Betta Midrash ou El Moshe, on va aux toilettes. Non, il y a un toilette, Bessader. Mais à côté de ça, il y a Sifre Torah, Divre Torah, il y a Divre Kabbalah, il y a Davrechim, il y a Bruch Shema, un Kadosh. On a un Rav qui est plus que Metsuyan. C'est ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce que tu regardes, le côté Kadosh ou le côté la poubelle qui est là-bas et le toilette qui est. Mais ouvre tes yeux! Ouvre tes yeux. Aujourd'hui, c'est ça. Ils ont réussi à nous élire. Et vous savez pourquoi, encore une fois? Parce qu'on était au-delà de l'Echtaloute. Au-delà de l'Echtaloute. Ouais, je le vis. C'est comment je suis. Moi, je vis ma Torah. Au-delà de l'Echtaloute. Vous avez une question? Donc, en clair, Yosef, il a été possède chez Shelia Hashem. Pour ça, il a été puni. Il était puni parce qu'il a monté plus. Kavirchol, en tout cas, à son niveau, il a montré plus de bitachon dans l'homme qu'il a montré à Hashem. Et on va avoir une preuve de ça. C'est que c'est marqué là-bas dans le Midrash, c'est même un Rashi, avant qu'il s'appelle Ishmatzliar. On va voir qu'il y a un Rashi là-bas, c'est déjà l'heure. On va voir qu'il y a un Rashi qui va dire quoi? Il a prié ensuite. Il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur. Vous savez de quoi il a prié? Vous savez sur quoi il a prié? Écoutez bien, je vais essayer une histoire pour que vous compreniez ça. Bon, je vous dis quand même. Il a prié, vous savez sur quoi il a prié, Youssef? Il a prié pour que ce Sar Amashkim, il l'oublie. Comment c'est possible? Grâce à Yosef, qui t'a fait monter au plus grand des niveaux, il t'a toutes les tzot tovot, il t'a mis à un niveau élevé. Comment tu peux oublier un juif comme ça? Comment tu, même pas, tu dis, même limite, tu parles à Pharaon, tu sais quoi, Pharaon? Il y a un gars, il s'appelle Yosef, c'est un ivri, je le veux moi comme bras droit. Tout ce qu'il fait, il est Ishmatzliar, je le vois. Tout ce qu'il a dit, c'est du Emet. Comment tu peux l'oublier? Yosef, vas-y, il a dit, je t'abâche, moi, quelle erreur j'ai faite. Je prie maintenant à Hachem, quand je me couche, je t'en supplie, fais en sorte qu'il m'amache, il m'oublie, que ce que j'ai demandé, ça soit oublié. C'est ce qu'il dit, c'est le Midrash. On va voir dans les mots après. Il tabache chez moi là, vous rendez le niveau de non seulement il accepte Béhava de faire les 2 ans supplémentaires, et pendant ces 2 ans là, il a pris une chose. Que je me couche, je t'en supplie, fais en sorte qu'il se rappelle pas de moi, que quand je serai sauvé, ce sera sauvé par ta main et pas par la main de l'homme. Il tabache chez moi là. C'est pas un beau Midrash ça. Et quand tu dois regarder dans les mots, il ramène une petite histoire qui est fait en fait un machal. Ou Bekesher Lazé, mais sous par Aliyoudi à Chassid, il y avait un juif Chassid comme ça, chez Pana El Rabo, il vient comme ça, c'est plus un machal, il vient lui poser une question, il dit, il était malade, il est bon, excusez-moi, ça dit que ça va. Il avait, on va dire, certaines formes d'aérophagie assez élevée, on va dire ça comme ça, très très mal au ventre. Et il était voir le docteur, il dit, il faut que tu manges des choses kalim, mais pas manger des choses qui soient comme du pain, pas manger du riz, pas manger des pâtes, pas manger. Ah, c'est Shabbat, il mangeait que quelques fibres, des choses. Il avait un peu l'hassab. Bon, c'est un chassid. Et comme tous les chassid, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils mangent le kugel, vous savez, la pachité d'Ara, qui est très lourde comme ça. Il va voir son rab. Et Gvdarav, Racha, il dit, est-ce que c'est moutard libre de manger la pachité d'Ara pour Shabbat? Anna, le rab, qu'est-ce qu'il répond, le rab? De quoi t'as peur? Le rof, il m'a dit, il faut que je mange jusqu'à l'île. Maintenant, c'est Shabbat, est-ce que je peux manger? Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, Racha, yincha, le rab, pachité d'Ara Shabbat. Pourquoi? Mais voilà, tu peux manger. Mais je tuyote. Velo yazik lecha meuma beezrat Hashem, t'inquiète pas, avec l'aide de Dieu, t'auras pas de nezek. Shabbat i, comme c'est marqué noir sur blanc, Shabbat i, les misrocs qui revoient l'avant. Comme c'est marqué, c'est un pasuk mefourache, que Shabbat il n'est pas de nezek. Ça n'existe pas le nezek. Donc même celui qui fait nuit blanche pendant Shabbat, il ne pourra pas dire qu'il peut avoir un problème dans son mort ou quoi que ce soit, même s'il fait nuit blanche pour étudier, parce qu'il n'existe pas les nezekis pendant Shabbat. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Très bien. Donc le Rav, qu'est-ce qu'il lui dit? Le Rav, le Rav, il a dit, c'est heureux. Toi, tu peux manger parce que tu fais la roi de Shabbat Kodesh. T'inquiète pas. Il va le chassid, il s'en va. Ça le travaille. Il dit, mais ok, le rabbi me dit, mais. Le docteur, il a quand même dit. Le docteur, il sait quoi il parle. C'est un professeur, enfin, c'est un toubib. Il a fait des études. Il a fait 8 ans d'études quand même pour me dire que j'ai des gaz, des machins, il faut les éviter. Et autour, il revient en arrière. Chouf, chazar, eish, vechaal. Omnam, rabbi, t'es sûr? Le yazik, li adava, t'es sûr que ça va rien me faire? T'es sûr? Je peux te soumettre sur toi. Il y a toi chez Kabel, il veut dire sûr que Bémet, ils sont tranquilles. Ah, Rabo Amarlo, son Rav, qu'est-ce qu'il lui répond? Chouva Assur Lecha, ma pitom. Shabbat, tu vas manger? Assur Lecha de manger, la Pachtida. Assur. Il y a une minute, tu vas me dire que c'est moutard.
Je reviens, je te redemande, tu me dis non, c'est Assour. Vous avez compris le machal? Écoutez bien maintenant pour qu'on comprenne bien. Il dit Assour lecha lechol pashtida lama mishum shekasher chazarta. Maintenant que tu es revenu, shalta shuv, tu es revenu une deuxième fois pour voir si c'est moutard. Arrêze mochra chez Mounatecha bekocha shel Shabbat. Refait, il est en train de me montrer que ta imouna que tu as dans le Shabbat, elle est pas 100%. Tu n'es pas sûr que Shabbat, il est pas masique pour toi. Maintenant que tu as un chachash, maintenant que tu as une crainte que ce Shabbat, il va pas être masique pour toi. C'est sûr que si tu manges la pashtida, il sera masique maintenant. Il dit pourquoi t'es venu deux fois? Mais non, comprends Yosef Hatzadik, pourquoi il était puni. Si t'étais venu une fois, ça suffisait, Habibi. Pourquoi tu viens deux fois? Une fois, ça suffit. Tu crois que ça suffit pas? C'est que c'est allé, moi. Je demande une fois, comme vous avez dit, vous deux. D'accord, Laurent, comme tu l'as dit, toi, comme tu l'as dit, Eric. C'est vrai, il y a une opportunité. Je la chope. Al-Sumer Lanes, t'as raison. Mais si tu reviens une deuxième fois à Chouv, c'est que tu montres maintenant que t'es plus Mamine. T'as plus ma hache de Bitachon. T'as mis Kavikha que je vous roule dans les bafons. Et tu préfères donner Bitachon dans cet homme-là. Et tout le nien, il est ici. Tout le lien qu'on doit apprendre, c'est le moussa qu'on doit apprendre ce matin, c'est uniquement ça. C'est bizarre, mais vada qu'on doit faire chadout. Mais vada qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu. Mais savoir comment demander. Demande une fois, mais une demande de la foi. Quand tu la demandes, demande-la bien. Fais-la bien. Formule bien tes mots. Sois précis dans ce qu'il dit, le Ravarouche régulièrement. Quand tu fais des doutes, sois précis dans ce que tu demandes. Donc précisément ce que tu veux. Sois un kéli qui boule. Si tu demandes là, comme il disait, tu viens à la Bado, tu demandes comme ça, ça ne vient pas. Tu veux un enfant. Prie pour ça, précisément pour avoir un enfant. Et pourquoi tu veux un enfant? Kadosh Baruch Hu, je fais le pari avec toi que si j'ai un fils, je ferai tout pour ce qu'il soit dans le monde de la Torah. Je ferai en sorte que Shebezrat Hashem Yitbarach, il soit Behemet, il soit avec moi. Je ferai tout pour qu'il soit dans le Torah. Il y a une question ou non? Au contraire, il y a quelqu'un qui m'attaque? Non, d'accord. Il y a quelqu'un qui s'est endormi sur ce coup. Ah, décédé. Ok. Donc vous avez compris ce machin comme il voit, le manque de bitachon, c'est que ça, c'est quand tu montes deux fois, c'est que t'as pas confiance. C'est comme je vais à Cher, tu prêtes demain ta voiture? Ouais, t'inquiète pas, je te prête ta voiture demain matin, t'inquiète pas, à la synagogue je viens. Je reviens car Cher, t'es sûr, hein, tu prêtes ta voiture demain? Je t'ai dit oui, ça va, et là, même de façon normale, je vais te dire, oui, qu'est-ce que tu me donnes? Ta femme elle vient, elle te dit, Cher, tu peux m'aider? Ouais, t'inquiète, j'arrive tout de suite. Cher, tu peux venir? Demi, je vais te dire, tout de suite, ouais, on met un peu sur la massage de on s'énerve. Mais je vais te dire oui, demi, je vais te la faire. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait. Pourquoi? On veut tout de suite. Mais t'es qui toi pour dire à Hachem, je veux tout de suite? Qui t'a dit que tu vas avoir tout de suite? Peut-être que tu vas avoir, c'est sûr que tu vas avoir, Hachem va donner. Mais pas tout de suite. Peut-être c'est à la minute, peut-être c'est dans une heure, ou peut-être c'est dans deux ans. Et c'est ça va être bitachon Hachem. T'es capable de t'aider avec ça. C'est-à-dire de faire avec. C'est ok. Maintenant, j'étais dans les matzot et dans la machem. Tu crois qu'Hachem, il peut pas, qu'il a créé le ciel et la terre, tu crois qu'il peut pas faire pour toi de faire que ce verre soit plein, ou que ce verre de café il devient du thé ou du vinaigre, comme c'est dans la Gemara, où le vinaigre se transforme en huile. C'est pour Hachem, ça n'existe pas. La matière, qui a créé la matière, c'est nous. Mais nous, on est terre à terre. Alors, on s'attache à ces choses-là. On continue encore un tout petit peu. Combien j'ai de semaines? Combien il me reste un petit peu? Berer. 5-10 minutes. Alors, mais attachez juste une toute petite histoire. Ou Bémet, chez Yosef, ça me lève la taout. Regardez ce qu'il dit. Regardez, c'est pas moi qui parle avec les mots. Je viens de vous dire, mais on rentre dans les mots. Ou Bémet, chez Yosef, ça me lève les taout chassa. Il s'est rendu compte de la faute qu'il a fait. Ou Bikesh, mi buré olam, chez Ashkir Oto, mis Renaud chez Saramashkim, qui se fasse oublier donc Saramashkim, ve chazar la taout, ve trop de la rac, les buré olam. Et là, il donnait toute sa confiance maintenant en Kadosh Baruch Hu. Et une deuxième petite histoire, on finira avec ça. Il dit comme ça. Chez Kayotse Bazé, mais ça parie à la tzadik, Rabbi Aaron. Mititouf, vous connaissez Rabbi Mititouf? Rabbi Mititouf, c'est le Nechet, le petit-fils du Baal Shem Tov. D'accord? Donc il a vécu en même temps que Rabbi Nachman. Nechdo chez le Baal Shem Tov. Chez Beoto Avrer, quand il était Avrer, Aya Osek, Avodat Hashem Yomam Velaïla, comme on peut l'imaginer. Jour et nuit, il était Osek Batora. Jour et nuit, jour et nuit. Mais Saval, Cherpat Ra'av ou Mesrach Nora. Il souffrait lui et toute sa famille de la faim, il avait rien. On imagine qu'en Ukraine, il y a cette époque-là, c'est pas comme aujourd'hui maintenant, où grâce à Dieu, on arrive à être tomber pour les avrichim. À l'époque, ceux qui tuent les Torah jour et nuit, les maîtres, c'était une misrout nefesh, mamash, surtout dans les pays comme cela. Ishlo sam libo la avrich a yoshev bekret zavit, ve amatsa beveto alach dardir. Et plus ça allait, et plus malheureusement, non, ça allait de pire en pire, mais ça allait vraiment en empirant, les maîtres. C'est-à-dire que ça commençait de amatsa caché. Bechad ayamim, shegiu ma'im anefesh. Sa'ak Rabbi Aaron le Khalel Beta Midrash. Un jour il est rentré au Beta Midrash, il a commencé à hurler, il s'est mis devant le Echal, il a commencé à crier. Zezman Rash Imsa Benechem Nichdo Shabbat Shem Tov, Yosek Batora Bawadat Hashem Ilvad,
Aïm Sha'al Echad Mikem, Mimahu Mimitkayem. Il a commencé à crier devant Kadosh Baruch Hu, Ribono Sholam, c'est ça, toute la Torah qu'on donne. C'est marqué En Torah, En Kemach. En Kemach, En Torah. Voilà, la Torah, je l'ai. Où est mon Kemach? En Torah, En Kemach. Mais je suis dans la Torah, Yoma Valaïla. Je n'ai pas de quoi manger. Encore moi, je peux faire. Mais mes enfants, les petits, ils arrivent, Benara, 8, 10 gosses. Comment je peux les nourrir? Je n'ai pas de quoi leur donner. Où est Kadosh Baruch Hu? Il commençait Ta'ak. Nidahamu Anashim, Nishma, Dvarim. Et les gens qui étaient à côté, ils ont été. Comment le rabbi, il parle parce que c'était un admour. Comment lui, il parle comme ça et qu'il lui kavechot, c'est manque un chassir bitachon. Ou pneem chafou. Vekama mehem iftichou lidhog mehayom azé lehalal et parnasato. Ils ont commencé à parler entre eux. Ils disent bon, on a compris le message. Il est vraiment à la reste des vagues, comme on dit en hébreu. On va tout faire pour l'aider, pour que, au niveau de ce matin, on va essayer d'aider. Un peu d'argent, un peu à manger, un peu. Chacun d'entre nous dans la kila, on va essayer de l'aider. Ou chitroken bet amidrash. Parat Rabbi Aaron et Bechi Mar Vahamar. Et d'un coup, quand il a vu ça, il a vu un peu tout ce brouhaha qui est autour de lui, les gens de Beit HaMidrash qui commencent à s'organiser pour lui, etc. Il a commencé à pleurer, rentrer dans un pleur amer. Eh Hasitish, tout caso, quelle erreur j'ai pu faire? Comment j'ai pu faire ça? Skakti les Beriot. Arrête Tami Betrani, Rad Boreolam. Il dit, moi, toujours, j'ai donné la confiance à Hachem. Comment j'ai pu manquer de grâce à le bitachon et de venir au Beit HaMidrash? Donc, il y avait des gens qui m'ont écouté pour donner, finalement, pour qu'ils écoutent ma détresse et qu'ils m'aident. Ou que ça, Betarti et Ayom al-Basar Vada. Maintenant, je vais être obligé de mettre mon bitachon dans des gens de chair et de sang. Mais Marlibo, avec beaucoup de pleurs, un cœur amer, Nitzmad et Amezouza, Kol al-Aïla. Il est resté toute la nuit durant, toute cette nuit-là. Il n'a pas bougé, il a mis la main dans la mezouza. Mais il traînait les bré olam chez Ishkar Menachim et Asher Bikesh et Asher Bitrolo. Il a pleuré toute la nuit, il a mis sa main, le nechad du Baal Shem Tov, toute la nuit, il a mis sa main sur la mezouza, il a prié bré olam toute la nuit. Il dit que je t'en supplie, fais en sorte que tous ceux qui étaient présents aujourd'hui dans le Beit HaMidrash, qui ont pensé venir en aide, fais en sorte qu'ils m'oublient totalement. Et cette fête-là, elle a été reçue. Regardez combien la grandeur des tzadikim. Donc nous on n'est pas à ce niveau-là. Mais regardez la grandeur des tzadikim. Pour ne pas avoir un soupçon de confiance dans l'homme. Chez Sipper Yasezé, Nirdo, chez le Rabbi Aaron, Siem Vamar, chez Sabo, Lamad Zot, mais Yosef à tzadik, chez Yosef Zanar, les Sha'ak, Kala, et Bitrono, Behachem, ou Pana, les Sar, Sachakol. Un petit instant, juste quelques mots, juste il a parlé 2 minutes avec le maître chevron, 2 minutes ça lui a coûté autant de sarot. Chez Azor le latse de Babakele. Ah, miyad nochlar v'shaita zo shegiab ou bana le hashem chez la kfila, chez shkar misar mashkim et bekashoto. Et donc c'est pour ça qu'il a prié, comme on l'a vu plus haut, bezou chez Neymar, le lo sachar sara mashkim et Yosef. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas rappelé le sara mashkim de Yosef. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la kfila. Regardez combien ça, l'importance de la tefila. Regardez combien ils ont donné l'importance au bitachon Hashem. Alors c'est sûr que nous, avant qu'on saute dessus, nous on ne s'appelle pas le petit-fils de Baal Shem Tov. On ne s'appelle pas Yosef HaTzadik. On n'est pas des grands tzadikim. Mais une chose qu'on doit se rappeler, au moins de ne pas faire l'erreur comme on a parlé tout à l'heure de Yosef HaTzadik. La cœur, l'erreur, ça a été quoi? De demander 2 fois. Hashem, si on a compris, c'est ça. Alors quand on dit Shasadissim la voté nous, Bayami Mahem, Baze, Manaze. On finit avec ça pour revenir fermer la parenthèse de Hanouka. Les Hanouka, c'était les Hashmonaïm, les Makabim. Makesh avec nous maintenant. Bayimahem, Bazeman Azé. Mazé Bazeman Azé, de nos jours. Papitom. De la même manière que là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? Ils étaient des quoi? C'était des Tzadikim face à des Rechaim, des Tmeim face à des Théorim. Si on est dans la Torah, si on est Be'emouna Chazaka, alors qu'est-ce qu'on pourra faire? On pourra être Ma'atim Keneged Rabim, Khalashim Kedekvurim, même qu'au niveau de la terre ou physiquement ils seront plus forts que nous, on pourrait la forcho et Zvatachem pour toute cette situation et Zvatachem. Donc si on a compris ça, si Bémet on est chaque fois dans la Torah, si on a confiance dans la Kosh Bokhu, et Imoun avait Bitachem et Zvatachem, c'est El Massav que Zvatachem ne se sorte pas tout ça. Je vous prie, fasse que cette année on a le Mashiach. Amen. Chazak Boro. Rabbi Hanan ben Yekasha Omer Asa Kosh Bokhu les Akot Israël, Efichach, Irbalem Torah Bizot Shinemar, Adonai Chafetz Mansi Koyegdil, Torah Bizot Kadisha Israël.